Bon, les élèves, allez, en place tout de suite. On n'est pas là pour rigoler, on est à l'école. Hein. Attention. Ça, c'est la baguette magique. Si vous ne faites pas vos devoirs, oh, attention. Allez, sortez vos affaires, mettez-les sur la table. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Monsieur Goun. Monsieur Goun, vous avez compris? Et de prénom Ra. Alors, on m'appelle Maître. Allez, sortez vos affaires. Hein. Votre prénom, c'est Goun Alors, je ne sais pas ce que je vais faire de toi. Hein. Ça commence. Là, on termine bien l'année. Attention. Allez, mademoiselle Kaira, hein, attention, tu portes bien ton nom en plus, toi. Hein. Kaira. Allez, allez, dépêchez-vous, on n'a pas le temps. Hein. On est là pour étudier, vous avez compris? Tu me sors toutes tes affaires. Je ne suis pas là pour rigoler. Dépêchez-vous. Kaïla, disciplinée, c'est bien. Par contre, ta soeur jumelle Kaïra, elle met un peu de temps à trouver ses affaires. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle a dans son cartable, mais il doit y avoir un sacré foutoir. Hein. Et ton livre de lecture aussi, j'espère que tu l'as pas oublié. Voilà, c'est bien ça. Allez, on ouvre. Et ça sert à quoi ça? Bah pour boire. Comment ça pour boire? On est venu à l'école pour réviser, pas pour manger. Vite me ranger ça. Non. Comment ça? Tu veux pas m'écouter? Non. Ouais, c'est moi qui décide. C'est moi le patron. Je fais ce que je veux. Comment ça? Vous êtes indiscipliné. Vous allez vite me ranger ça. Non. Donc, Kaira, c'est bon, vous avez sorti vos affaires? Attention, j'espère que vous avez rien oublié. Hein. La baguette magique est là. Donc, qui c'est qui a appris l'alphabet aujourd'hui? C'est bien, Kaira. Et Kaira? J'ai un doute. Donc, Kaira? Allez, tu peux nous la réciter. C'est bien, impeccable. On va passer à Kaira. Allez, Kaira, à toi. Et attention, tu la fais pas. Parce que la baguette magique, si tu veux pas la goûter, allez, à ton tour. Tu as bien révisé ton alphabet. Ce gare à toi, le Mars là. Tu as vu le Mars? Celui-là, tu vas le goûter. Allez, récite-moi à ton tour l'alphabet. Et attends, les lunettes, tu vas vite me les enlever. Allez, l'alphabet. Hop, on arrête là, on arrête là, on arrête là. Tu as révisé l'alphabet chez toi? Avec qui? Ma mère. Tu vas me dire que tes parents ils t'ont appris l'alphabet dans le désordre? Mais pas trop. Moi, j'ai un problème. On s'explique. Ah bon, on s'explique. Ouais. Eh ben, on va s'expliquer. Allez, tu vas vite me réciter l'alphabet. Tu recommences. Tu te trompes, punition. Hop, allez. Les heures de colle, tu vas être puni là. Tu vas me copier des lignes à gogo, tu vas voir. Non. Pourquoi tu apprends pas comme ta Non, soeur? moi, c'est moi le patron. Ta soeur, elle apprend, Kaila. Elle a appris l'alphabet par cœur, sans faire d'erreur. Et toi? Mais c'est moi le patron. A, Z, X, V. Aïe, 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 Kaira. Oh là là. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Pour le peu de cheveux que j'ai sur la tête, je vais me les arracher. Oh là là, ça commence. L'année, elle se termine bien, l'année. Heureusement pour moi, parce que je te garantis que la baguette magique.
Attention, tu vas la goûter. Il reste quelques jours. Hein. Allez, on va passer aux mathématiques maintenant. Allez, sortez vos cahiers de mathématiques. Allez, dépêchez-vous de ranger vos cahiers. Allez, allez, Kaira, ça c'est bien. Bon, allez, Kaira, tu peux ranger tes affaires toi aussi. On va passer aux mathématiques. Allez, ça saute, allez. Toi, t'es discipliné. Comparé à ta sœur Kaira, de l'autre côté là-bas, elle mérite des petits coups de règle. Hein. Du coup, toi aussi, tu sors pas de cahier. Donc, les enfants, qui c'est qui veut commencer au calcul mental? C'est moi, maître. Kaira, tu veux commencer? Oui. Après, on ira voir ta sœur Kaira après. Hein. Alors, 2 plus 2. 4. 3 plus 3. D'accord. 9 plus 1. 10. C'est bien. Et 10 plus 10. 20. C'est bien. 4 plus 1. 4 plus 5. Super. On va passer à ta soeur Kaira qui est en train de dormir, je crois, là. Je vais vous faire un calcul mental comme à ta soeur. Ta soeur, elle a eu 5, 5, 5. Toi, on va voir combien tu vas avoir. Et attention tes bêtises. Hein. J'espère que tu les connais, tes calculs mentaux. Hein. Alors, 2 plus 2. 5. Aïe, aïe, aïe. La biscotte, je sens que tu vas la goûter. 1 plus 1. 1 plus 1 est égal à la tête à Toto. Oh là 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 là. La tête à Toto, il manquait plus que ça. Oh, qu'est-ce que je vais faire de toi? Wesh, wesh. Wesh, wesh, je vais t'en faire du wesh, wesh. Tu t'es pris pour qui du wesh, wesh? Bah, je me crois le patron. Toi, oh là là. Encore une, si tu te trompes, double punition. Dire que t'en as déjà une. 4 plus 3. 4 plus 3 est égal à... Attends, je demande à mon père. Tu demandes à ton père, mais ton père, c'est pas lui qui apprend à l'école, c'est toi. Ah bah non, c'est lui, hein. Moi, je suis le patron. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire de toi? Oh, je languis le conseil de classe quand je vais convoquer vos parents, un chacun. Vous allez voir. On va voir c'est qui va rigoler. De toute façon, c'est toi l'élève, hein. Moi je suis le maître. Ah ouais? Tu ne connais pas tes calculs mentaux et tu veux me dire c'est toi le maître? Je vais t'en faire goûter du maître, moi, tu vas voir. Allez, on va passer. Un peu de géographie. Ok. Donc. Vous allez me dire, attention si vous vous trompez, hein. Je vais vous donner une lettre de l'alphabet. Vous devez me donner un pays. Un pays, t'as compris? Kaira, toi tu vas commencer parce que Kaira, le temps qu'elle se réveille de sa sieste là. Allez, Kaira, si je te dis la lettre F. France. C'est bien. La lettre B. Belgique. Belgique, super. La lettre M. Maroc. Super. Ah, t'as connu quand même des pays, hein. La lettre E. Espagne. C'est super. Et pour dernier, pour avoir un 5 sur 5 sur ce petit contrôle, la lettre C. Chine. Super. Comparé à ta soeur à côté, là, qui s'endort, Kaira, là. Allez Kaira, à toi. Et attention si tu te loupes. Hein. Parce que je crois que cela t'a envie de la goûter. La géographie, t'as pas intérêt à te tromper. Hein, parce que la biscotte, tu vois le Mars là. Hein, le Mars, je vais la casser sur ta tête. Alors attention. Non, ça va, tiens, on va voir. Donc la lettre F. F. Maître, j'ai trouvé Maître Aragoun. C'est le fish. Ça se trouve où le fish? C'est quoi le fish? Dans le McDo, et ben le fish, c'est le filet au fish qui se trouve au McDo.
Alors toi, du filet au fish, du poisson, ça se trouve au McDo, oui, mais c'est pas un pays. Et en plus, tu nous mets les pieds sur la table. Allez, enlève-moi ça tout ça. Enlève-moi ça. Allez, attention. Prochaine fois, c'est sur la tête. Hein. Allez, d'ailleurs, première lettre, tu t'es trompé. Aïe, qu'est-ce que j'y vais faire de toi? Ah là 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 là. Je crois que j'aurai plus de cheveux d'ici la fin de l'année. Hein. Allez, la lettre B. Et t'as intérêt à trouver et ne pas te tromper. Hein. Alors, le B, quel pays tu vas nous trouver? B, j'ai trouvé. B, c'est mon pays, le Bled. Oh là là, le Bled. Le Bled, c'est un pays. Et c'est quel pays, ouais. Le Bled? C'est mon pays, le Bled. Mais le Bled, c'est pas un pays, le Bled. Aïe, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que je... Ta sœur Kayla, elle a tout trouvé. Et toi, que des bêtises. Oh là 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 là. Allez, maintenant, tu vas me trouver. Allez, exagérons pas. Tu vas essayer de me trouver un pays avec la lettre M. M. Ma croûte. Oh, putain. Ma croûte. Ma croûte, c'est un pays? Oui. Et c'est où? Ben, au Maroc. Au Maroc. Oh là 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 là. Eh ben là, t'as 0 sur 3. Alors, catastrophe. Ah bah ben non, moi, j'ai 20 sur 20. Catastrophe. Dans ta tête, t'as 20 sur 20. Dans ton cerveau. Toi, et là, t'as 0 là pour l'instant. Et maintenant, la lettre E. E. J'ai trouvé la lettre. Allez. E. Équerre. Équerre. Il manquait plus que ça. Équerre, la règle. C'est pas équerre. Tu voulais dire équateur? Non. Oui. Équerre, équateur. Qu'est-ce que ça a à voir, équerre? C'est un pays. Équateur, c'est un pays, pas l'équerre. La règle, c'est un pays aussi? Les deux. Bah voilà. Oui. Heureusement que, entre vous deux, entre toi et ta soeur et les jumelles, là, que heureusement qu'il y en a une qui est sortie bien. Parce que l'autre, hein, toi, t'es sortie. Attention. Oui, attention. La dernière lettre. Tu vas avoir un 0. La lettre C. C, 5 coups de bâton. Alors attention. Et c'est pas un kick-kat. Hein. J'ai trouvé la lettre C. 6 mois. Comment ça? C'est quoi ça, 6 mois? Ben, c'est chez moi. Chez toi, c'est un pays? Ben oui. Et c'est où? Eh ben, en Espagne. En Espagne? T'habites en Espagne? Ouais. J'habite partout, moi. Même chez toi. T'as eu 0 sur 5. 0 sur... Attention, 0 sur 5. Ouais, je languis de convoquer vos parents. Oh là là, quand je vais convoquer vos parents. Pas souvent, là. Vos parents, quand je vais les convoquer, eh ben, ils vont passer à vos bureaux. Un tour chacun. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous avez compris? Et on rigolera. Bon, voilà les enfants. L'école, c'est fini là. Donc, vous pouvez ranger vos affaires tout de suite là et dépêchez-vous. J'ai pas le temps. Et j'espère. J'espère Kayla, à toi, à demain. Et Kayra, toi, j'espère pas. Tu peux rester chez toi, c'est pour dormir en classe et pour faire des bêtises. Allez, que ça saute. Allez, et ça là, je veux plus le revoir. Ah, Kayra. Je l'ai ramené plein de fois à l'école. Voilà, comme ça. Et les copines, j'espère que cette vidéo de l'école vous aura plu. Pensez à partager, passez au pouce bleu. Surtout, abonnez-vous. Bye bye les copains, les copines. Bye bye les copains, les copines.